à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et c'est donc parti. Le ballon dans la profondeur. Oh, ils l'ont échappé belle. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il allonge le jeu. Caieri. L'Espagnol adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. Quelle passe! Marcelo, le bon ballon. Hazard, qui choisit le côté gauche. Il a trébuché sur cette intervention. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ça joue long vers l'aile. Attention là. Il choisit la profondeur. Vinicius Junior, ça sent la frappe. Javi Lopez, l'Espagnol qui cherche à déclencher du mouvement. Le bon dribble. Il est à distance de tir. La frappe. Oh, but pour le Real Madrid. Ouais, l'ouverture du score pour le Real Madrid. Allez, votre analyse, Darren. Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Bien, c'est reparti. Ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention. Il reste encore du temps à jouer. La bonne interception. Toni Kroos. Peut-être une occasion pour Hazard. Oh, Benzema. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait, il faut qu'ils continuent comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Didac. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long. Oh, bonne lecture, intercepté. C'est dégagé, très loin. Il allonge. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. C'est joué long, attention. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Alors là, bravo au défenseur. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Une nouvelle intervention. Oh, local, il peut frapper. Oh, quel arrêt! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Ils sont décidément très solides dans cette zone. Benzema!
Oh, le bon ballon. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton, et pourtant ça méritait une sanction. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai, Grégoire. Dans la profondeur. Oh, attention. Bien servi. Dans la surface. Il rejoue derrière lui. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. Victor Sanchez. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Faute. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Et il dégage. Casemiro, il résiste bien. Il s'échappe le long de la ligne. Dommage, c'était la balle du break. Ça ne passera pas. Il décide d'allonger le jeu. C'est bien donné. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. C'est fini, le match est terminé. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Disons qu'on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une